Vous êtes bien ici? C'est cosy, chaleureux, bien décoré. Et puis ton père, il a l'air avec des soins chez lui. Ah, enfin, tu te réveilles. J'ai trouvé une bonne annonce pour toi. Ici, ils cherchent un professeur de science. Ça te prépare la science, non? Je sais pas, j'ai fait philosophie. Enfin, j'ai fait philosophie, quoi. Pouli! Papa! Il est bel homme, ton fils. Il est marié, il a des enfants. Oh, ne parle pas de ça. Il a un fils même pas circoncis avec une danseuse goy. Il a toujours pas décidé de partir. Non, bébé. Tu vas pas rester au chômage et chez moi toute ta vie. C'est temporaire. Arrête de crier, je suis pas sourd. Mais bien sûr, t'es sourd. C'est qui, Karl? Je dis dans des fois avec maman. D'où il sort ce nazi? Qu'est-ce qu'il faut avec ta mère, ce salopard? Un master en droit, il est champion olympique de natation, il patine comme un dieu. Oh, super. Alors, tu as regardé les annonces? Je veux dormir, et je vais le schlouffen. Ton cousin Isaac, il n'a pas fait des études comme toi. Mais regarde où il en est. Il a une gentille femme, trois enfants, et il vient de s'acheter une villa quatre façades. Où est-ce que tu as été? Au pitchot, tante. Tu aimes le piano? Non, pas trop, madame Hirschfeld. Moi, j'aime plutôt la cornemuse. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Gaza ces jours-ci? À Gaza? Je crois qu'il a le chagrin d'amour, c'est pour ça qu'il est devenu un peu méchogal. D'ici trois semaines, tout ça arrangera. Il rencontrera une gentille fille et surtout, il partira de chez toi. Dieu t'entende, bébé. Dieu t'entende.